Je m'appelle Tissane Naferi, je suis chez Orange depuis mai 2013. Une très belle aventure qui avait commencé avec un process de candidature normal. Donc j'avais candidaté à un poste qui était ouvert au niveau de la direction en communication externe Orange Améa. J'avais passé des entretiens et puis j'ai été retenue. Et c'était le début d'une très belle aventure de 18 mois. C'était 18 mois de découverte, d'apprentissage et d'immersion au sein de la marque Orange. J'étais la première à faire ce programme de talent sharing, donc j'avais pas du tout d'appréhension. Pour moi, c'était juste une très belle opportunité qui s'était présentée à moi, que j'avais envie de saisir tout de suite. Donc je suis partie un peu vers l'inconnu et finalement c'était la très bonne surprise. J'avais juste un tout petit regret de départ, c'est de ne pas pouvoir vivre le rebranding Meditel. Mais finalement je l'ai vécu un peu différemment de l'autre côté. Et j'étais très fière à chaque fois dans les comités au niveau du groupe de dire que ce sont mes collègues et que c'est un peu chez moi en fait où ça se passe. En fait, moi, j'ai pas vécu cette transition comme vous l'avez vécu vous ici de manière un peu smooth. Pour moi, c'était très brusque. Je suis partie Meditel, je suis revenue Orange. Pour moi, l'une de nos plus grandes forces chez Meditel, c'était cet esprit de famille qui nous réunissait. Et j'avais peur de le perdre avec le rebranding, mais finalement, pas du tout. J'étais contente de le retrouver et de voir qu'au final, rien n'a changé, même avec une marque différente, et que ce sont les hommes qui font l'entreprise et non l'inverse. La prétention de détenir les facteurs clés de succès, si je dois parler de mon propre cas et si je dois en retenir qu'un, pour moi ça serait de la curiosité et avoir de l'appétence pour la découverte de nouvelles choses, de nouvelles cultures, aller vers l'autre et vraiment avoir envie d'aller un peu vers l'inconnu. J'ai pu découvrir des cultures tellement différentes des miennes, j'ai rencontré des gens extraordinaires et j'ai même travaillé avec des pays que je ne pouvais même pas situer sur une carte avant. Donc franchement, au-delà du professionnel, humainement et culturellement, c'est quelque chose d'extraordinaire et c'est vraiment une expérience qui me marquera à vie. Sans aucun doute.